Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va parler diamond painting bien sûr, mais rangement. On est toutes confrontées à un moment où va-t-on mettre nos diamond painting, car les murs ne s'élargissent pas chez nous et on va pas mettre de nos diamond painting partout, partout, partout dans la maison. Et donc, j'ai vu, alors l'idée n'est pas de moi, je l'ai découvert sur deux chaînes, la chaîne de Créa Mélis et la chaîne de Sylvie Scrapsil. Donc, je leur fais un coucou à toutes les deux. Donc je crois qu'elles ont vu aussi cette idée sur la chaîne d'une autre youtubeuse, mais là je ne sais plus le nom, désolée, pour pouvoir ranger les diamond painting, mais de petite taille, pas malheureusement pas les grands. Et donc je suis allée à Action chercher cet objet qui nous permet de pouvoir ranger nos diamond painting et de les avoir près de nous en souvenir. Donc je vais vous montrer. Alors c'est ça, voilà, c'est grand, je me recule, voilà. Alors c'est un carnet de croquis, voilà, hop, vous voyez, ce sont des pages blanches, hein, des pages à dessin. Voilà, donc c'est à spirale. Alors, il y a deux modèles. Donc, il y a le modèle avec la spirale ici sur le côté, ou il y a le modèle avec la spirale ici en haut. Moi, j'ai préféré prendre sur le côté, comme ça, ça me fait plutôt modèle livre. J'ai trouvé ça beaucoup plus pratique que avoir la spirale sur le côté. En haut, voilà. Donc j'étais chercher ça à Action. Alors vous le trouvez au rayon dessin, vous savez, là où il y a les toiles, les peintures, tout ça. Donc vous le trouvez là-bas. Alors j'ai gardé mon petit ticket pour vous dire le prix, 3,79 €. Bon, ça va, c'est pas cher, de toute façon c'est du Action, hein. Donc on va coller dedans nos diamond painting que l'on ne désire pas mettre au mur ou que l'on ne peut plus mettre au mur parce qu'on n'a plus de place. Mais bien sûr, vous avez vu la taille. Alors, la taille. Donc, c'est un A3. Donc, A3. Alors, je ne sais plus la taille en tête. A3, donc c'est un petit peu plus de 42. Alors, je vais compter après la spirale, hein, comme ça. Sur 20, presque 29. Donc, on va dire 40 sur 29 à peu près. Donc, les diamond painting qui font plus grand que cette taille ne rentreront pas dans votre carnet à croquis. Ça, c'est sûr. Donc, cela, bah, vous les garderez dans un carnet, comment on appelle ça, une pochette à dessin. Vous savez, les grandes pochettes à dessin vertes que l'on avait quand on allait à l'école. Et ou alors, bah, vous les encadrez, vous les mettez au mur, ou alors vous les offrez, hein, à votre tati, votre grand-mère, votre maman, votre papa, votre voilà, votre voisine. Et dedans, ici, donc, on va mettre nos petits diamond painting. Comme ça, on va les garder en souvenir. Donc, moi, par exemple, alors là, j'ai encore rien mis, hein, bien sûr. On va mettre les diamond painting de cette taille-là, par exemple. Voilà. Donc celui-ci, je vous rappelle que c'était un que j'avais fait et qui venait de la boutique Mes Petits Diams. Donc c'était une boutique française, hein, dont je vous parle assez souvent aussi, la boutique de Coralie. Donc celui-là, c'était le cheval blanc de la boutique Mes Petits Diams. Donc celui-là va rentrer dedans. Mais bien sûr, on va découper la bordure. Et j'avais vu que sur la boutique, n'importe quoi,
sur la chaîne de Sylvie Scrapsil. Elle avait eu l'idée, j'ai trouvé l'idée bonne, de garder les références du tableau, ainsi que la référence avec la petite image du tableau, en même temps de mettre la boutique où elle l'avait acheté, mettre la période où elle l'a fait. Bon, ça, je vais avoir du mal à remettre les périodes, ou alors il faudrait que j'aille revoir mes anciennes vidéos pour marquer la date. Donc, je trouve les idées bonnes. Par contre, elle les colle dessus. Moi, je pense que je vais plutôt choisir de coller une enveloppe et de mettre tous ces renseignements dans l'enveloppe. Donc, ça, je vais voir. Pour l'instant, on va commencer à découper tout autour du diamond painting et le coller. Pour l'instant, alors je vais après plus tard, je décorerai la première page ici. Je verrai, je choisirai peut-être un diamond painting pour le coller là. J'ai peut-être envie de garder également la première page pour la décorer et puis marquer ce que c'est. Donc la première page, pour l'instant, je ne vais pas m'en servir. Donc, on va attaquer sur la deuxième. Alors, il faudra quand même que vous fassiez attention à la manipulation de vos pages. Parce que, alors, je ne pense pas que vous allez vous voir, je vais essayer de montrer. Mais il y a un petit pointillé là. Donc, c'est parce que les pages peuvent se détacher. Vous pouvez les arracher comme ça. Donc, à la longue, faire attention quand même. De ne pas arracher les pages. Voilà. Ça, c'est de voir à l'usage. Ou peut-être pour faire plus beau, peut-être coller. Je verrai aussi par la suite. Peut-être coller sur ce petit pointillé un washi tape pour protéger. Ou, bon, tout ça, je verrai au fur et à mesure de l'emploi de ce carnet à croquis qui devient un carnet à diamond painting. Voilà. Donc, je vais vous baisser la caméra. Hop, voilà, lui, pour l'instant, je le replie. Et on va découper ce petit cheval blanc. Et là, j'en ai d'autres. Donc, je ne sais pas, je vais peut-être en faire un deuxième avec vous. Et au fur et à mesure, après, je ferai d'autres. Et je vous montrerai lors d'une autre vidéo tous les diamond painting que j'aurai mis dedans. Bon, moi, le souci, c'est que pour l'instant, c'est vrai que j'ai beaucoup de grands. Donc, mais bon, un petit peu à la fois, je mettrai tous mes diamond painting de taille normale qui peuvent rentrer dedans. Allez, je vous baisse la caméra et on se retrouve tout de suite. Donc, voilà. Nous, voilà sur notre petit cheval. Donc, je vais prendre mes ciseaux et on va le découper. Alors, je sais que Sylvie Scrapsil vernit tous ces diamond painting. Moi non. Moi je laisse tel quel. Donc là, comme ils sont dans un carnet, je vais voir à l'usage. Mais bon, je ne pense pas que ça va bouger. De toute façon, ce n'est pas un carnet que je vais manipuler aussi tous les jours. Hein. Donc ça, je vais le garder parce qu'il y a la référence du
Il y a la référence, je vais prendre dans l'autre sens, parce que moi je suis droitière. Il y a la référence du kit, je vais arriver à le dire. Il y a de la colle, alors ça colle. Voilà, là, j'ai la légende. Je colle. Et voilà. Donc, je vais garder une légende. Bah, en gardant une légende. Bah, ça permet par exemple si un jour il y a une copinette qui le fait et puis qui veut par exemple qui lui manque des perles comme moi je garde les perles, bah, je sais si j'ai une réserve de perles pour ce kit. D'ailleurs, je vais garder la deuxième. Ça va être pour ma réserve de perles. Hop. Je marquerai derrière cheval blanc pour moi le savoir. Voilà. Donc, voilà mon cheval blanc découpé. Alors, j'espère que ça va aller parce que ma table n'est pas extensible. Donc j'ai dit que je gardais la première page. Et voilà, on va le mettre comme ceci. Voyez pourquoi je veux que ce soit dans ce sens-là. Voilà, ça fait comme un livre. Alors, pour l'instant, bon ça, je vais l'enlever par contre, parce que ça va m'embêter. Voilà. Hop. Dans ma poubelle, qu'il va falloir que je descende parce qu'elle déborde. On le met à l'envers. Je me suis ressorti un rouleau de double face parce que j'en avais plus de sortie. On va pas mettre de colle parce que la colle risque de faire gondoler votre page. Donc, on va mettre du double face. Voilà, maintenant en haut et en bas.
Profitez pour me dire en commentaire hein, ce que vous pensez de ce rangement. Si c'est une bonne idée ou pas. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Parce que là, pour l'instant, tous mes titres sont l'un sur l'autre, sur ma table. Puis ça commence à monter. Voilà. Et on va en remettre un au milieu, comme ça on est bien sûr que ça ne bougera pas. Le principe c'est que ça ne se décolle pas hein, aussi. Voilà. Hop. Donc je vais préparer ma page. Voilà, ça je vais le mettre là, j'en ai besoin. Et on va décoller. Allez, le plus dur c'est ça, c'est de décoller ces engins, ces trucs. Allez. Bon là, j'attends d'avoir fini mon... J'ai déjà dit, mais bon, mon stock n'est toujours pas fini. J'attends de finir mon stock de double phase d'action pour en prendre du meilleur, mais bon. Pour l'instant, il fait le job, mais... Celles qui connaissent mes anciennes vidéos se rappellent de mon album, hein, qui s'est tout décollé. Alors, mettre bien droit, hein, surtout. Je vais mettre dans ce sens-là pour bien appuyer. Je vous fais bouger peut-être. J'aurais dû prendre mon rouleau, mais il est en bas. C'est rien. Donc voilà. Le premier, non dans l'autre sens, hein, c'est mieux. Voilà, le premier est collé. Donc, alors je vais, par contre ça m'embête de faire des grandes enveloppes comme ça, j'ai pas de, j'ai des plus petites enveloppes, mais c'est des enveloppes avec des cartes, ou alors, je colle là, mais si je colle là, ça m'embête aussi. Je sais pas comment faire. Parce que si je mets ça là comme ça, ça me... Bon, ça, je vais voir. Je vais mettre de côté pour l'instant. Je vais voir comment je vais faire. Je vous remontrerai. Parce que vous voyez, une grande enveloppe comme ça, c'est pas glamour comme enveloppe. Je dois avoir... Ah, attendez. Attendez. Il me reste peut-être des enveloppes. J'arrive. Voilà. On a toujours des réserves dans notre... des enveloppes. Alors, c'est des pollens. C'est des enveloppes que j'ai depuis bientôt 2 ans. Ouais, plus. Plus que 2 ans, je crois. Je ne sais même plus quand est-ce que je me suis mariée.
Je me suis mariée en 2019, ouais. Voilà. Donc, c'était les enveloppes que j'avais achetées pour mon mariage, pour les invitations, tout ça. Et il me restait un paquet. Voilà. Elles sont plus jolies quand même. Bon, là, il y en a une vingtaine. Mais c'est rien, pour l'instant, ça me suffit. Voilà. Vous voyez, elles sont bleu ciel. Donc, c'est quand même beaucoup plus joli que cette enveloppe blanche. Hein, il n'y a pas photo. Hein. Quitte à faire un truc, vaut mieux qu'il soit joli. Pardon. Alors, on va marquer dessus. Alors, le cheval blanc. Voilà. Alors, la boutique. J'ai fait une bêtise. Ah ben non. Ouais, si, je vais faire comme ça. Faut pas s'inquiéter, hein. Faut pas s'inquiéter. Mes petits jams, voilà. Et la date, bah, je mettrai après parce que je ne sais plus pour l'instant. Donc, une règle. Je règle bien. Et voilà. Donc, là, je ne vais pas enlever le papier de protection, bien sûr. Je vais mettre dedans, donc, la référence avec la petite image. Hop. Je vais mettre dedans, donc, les références couleurs. Hop. Voilà. Et donc, voilà. Et ça, je vais le coller à côté. Alors, j'ai vu que Sylvie, elle le collait derrière. Mais je trouve, moi, que c'est mieux de le coller à côté. Comme ça, ça on voit tout de suite à quoi ça correspond que de le prendre derrière. Voilà. Bon, c'est ma façon de voir à moi. Comme ça, on l'a tout de suite... Voilà, donc je vais le coller là. Alors, je fais comme Sylvie et puis comme Créamélis. Je ne vais coller qu'un kit, enfin qu'un tableau sur une page. Derrière, je n'en colle pas. Parce que vous savez très bien que les diamond painting, c'est un peu lourd. Bon, là, c'est des petits, mais ça a du poids quand même. Donc, je n'en colle qu'un seul par page, par feuille. Voilà. Donc, ici... On va lui mettre du double face, mais que là-dessus. Hein, pour que l'on puisse, quand on va l'ouvrir, récupérer les petits papiers. Parce que si on le colle entièrement, ben, ça posera problème. Hein, on ne pourra pas récupérer. Et après, par la suite, si je veux décorer un peu l'enveloppe, bon ben, je le décorerai un peu, ça je verrai. Pour l'instant, je vous montre les grosses lignes de ce carnet que je fais. Voilà, on va juste en mettre deux, ça suffit très bien. Mes mains, ça aurait suffi, mais bon. Pardon. Mais viens par ici, petit. Donc, pareil, je ne mets pas de colle.
On va le mettre droit, hein. Ce serait mieux. Voilà. Hop. Comme ça, je peux récupérer les papiers dedans. Voilà, mais je trouve ça plus joli. Bon, c'est ma façon de voir, hein. Chacun sa façon. Moi, c'est la mienne. Donc, voilà. Le premier est déjà mis dans le carnet. Et donc, après, je mettrai le deuxième. Alors, je pense que le deuxième... Alors, voilà. Il y en a un que je voulais mettre. C'était celui-ci. Mais celui-ci, vous voyez, il ne rentrera pas. Et pourtant, on me dit que c'est un 30-40. Mais c'est un 30-40 là. Voilà. Alors. Voilà. Donc, celui-là ne rentre pas, malheureusement. Donc, celui-là finira encadré. Après, je mettrai celui-là. Donc, c'est un de la boutique Mes Petits Diams également. Voilà. Et il faudra que je vois. Là, je ne les ai pas tous triés encore. Hein. Si ce, alors, celui-ci, par contre, ira dans ce sens-là. Voilà. Et c'est également un de la boutique Mes Petits Diams. Voilà. Voilà. Ben, écoutez, on va faire celui-là ensemble. Et puis après, les autres, je les ferai au fur et à mesure. Allez, on va le découper. Alors, celui-là est en diamant spéciaux, hein. Alors, n'hésitez pas en ce moment d'aller voir justement la boutique de Coralie, Mes Petits Diams. C'est le moment des soldes. Hop. Je vais vous remettre le lien de sa boutique en barre d'infos. Et je vais vous remettre un code promo également qui vous permet d'obtenir 10% de réduction si vous n'avez encore jamais commandé chez elle. Ça va plus vite quand c'est les diamants spéciaux hein, à découper, puisque là, on n'a pas de perles au bord. Donc là, quand j'aurai plus l'enveloppe, bon, pour l'instant, ça va, hein, j'ai ce qu'il me faut. Mais quand j'en aurai plus, bon, j'en redemanderai. Celles-là, je les avais eues chez Cultura. Donc, je rappelle, c'est des pollens. Donc, il y a le papier pollen aussi. J'avais acheté le papier pollen également pour faire mes cartes d'invitation. Je regarderai pour vous remettre la vidéo. Je crois que j'avais fait une vidéo de mes cartes d'invitation de mon mariage. Je vous remettrai le lien en haut. Donc voilà. J'aime beaucoup celui-là. Allez. Hop. Du double face. Papier. Vous voyez, c'est super simple hein, et ça vous permet bah, de garder vos diamond painting près de vous.
Alors, je dis, quand j'ai vu la vidéo de Créamélis et de Sylvie Scrapsil, j'ai dit, oh là, super idée ça. On fait les classeurs de scrapbooking et ben maintenant on se fait des carnets de diamond painting. Voilà. Et vous pouvez tout aussi bien après le décorer hein, pour le rendre un peu plus joyeux. Je dis, moi je verrai après par la suite si je le décore un peu plus. Bon, déjà je ferai la première page. Je vais voir si je le fais avec un si je fais avec un DP ou je verrai comment je vais faire. Non, tu te colles toi, sinon je te tape. Allez, décolle, 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 décolle. Ah, hop. Reste là, toi. Ne t'en va pas. Alors, je crois que je vais m'en acheter un deuxième. Peut-être. Pour les cartes à gratter. Voilà. Je vais voir. Bon, j'en fais beaucoup moins, hein, de cartes à gratter. Mais j'ai bientôt enlevé, hein. Oui. Mais je vais voir si je ne vais pas m'en acheter un deuxième. Il faut faire attention parce que ceux-là, ils collent encore un peu des fois. Donc j'espère que ça va pas coller sur les pages. Voilà, mettre entre deux une feuille de cuisson, vous savez, pour protéger, pour pas que ça colle. Alors je crois que c'était les chats amoureux, celui-là, le titre. Voilà, je vais mettre sur le côté. Oui, c'était les chats amoureux, je crois. Pareil, je mettrai la date plus tard. Donc là, il n'y a pas de réelle référence dans les perles, mais ça fait rien. Je vais quand même garder ça. Est-ce que je pourrais rajouter mon... Oh, qu'est-ce qu'il a? Ah. Ah. Il y a un morceau qui ne colle pas. J'ai un morceau qui n'a pas de colle. Okay, on va remettre un petit bout. Ce que je pourrais rajouter, moi, en plus, dans ma petite enveloppe.
Par exemple, faire un petit papier en marquant que j'ai fait une vidéo sur ce kit à telle date. Voilà. Donc ça, bien sûr, il faut que je... On a dit qu'il était double. Mais ça, bon, il faut que je regarde sur ma chaîne. Parce que ça, je ne les ai plus en tête. Hein. Donc, celui-là, hop, pareil. On va le coller ici. Ah, j'ai oublié de mettre les petits papiers dedans, mais ça fait rien. On va les mettre. Ah, le voilà. Et la référence du kit. Voilà. Hop. Voilà, je mets dedans. Et voilà, le deuxième est mis. Donc je vais continuer comme ça. Pour les autres kits. Vous voyez, hop. Et voilà. Donc là, je vais bien le décorer. Je vous montrerai la décoration ou je le ferai avec vous. Je vais voir. Allez, je vous remontre ma petite frimousse. Recoucou. Bon, là, je suis un peu basse parce que la caméra est en haut sur mon bureau. Donc voilà. Vous avez vu mon gros carnet. Et donc, je vous montre déjà le premier, ce que ça fait. Alors, je me mets devant, voilà. Je vais y arriver. Donc, voilà le premier. Et le deuxième. Donc, je vais voir peut-être pour mettre du washi, hein, je vous dis, le long de... Pour protéger la feuille, je vais voir comment je vais m'y prendre. Et voilà, donc le deuxième. J'aime beaucoup l'idée. Ça va me dégager un peu mes dépêts. Je vais continuer un petit peu à la fois et puis je vous montrerai au fur et à mesure ce que j'aurai fait dans ce carnet et je ferai certainement avec vous la décoration du carnet. Bon, je ne vais pas la faire épaisse parce que vous voyez, j'aurai besoin à chaque fois de le mettre à plat pour pouvoir ranger mes dépêts, mais bon, on va voir ce qu'on va faire. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et à mettre des petits pouces. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.